Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je les sens pas, je m'en fous. Waouh, je kiffe ta montre, sa mère. Mais non, c'est mon père qui me l'a offert. Et alors, j'en ai pas, tu sors, elle sort, tu sais, vas-y, casse-toi. Je sais, ça me fait de la peine, mais je suis pas une balance. Donc on continue le cours sur le fonctionnement du corps et sur la nutrition. Dans ce cadre-là, nous allons voir les différents appareils, que sont les appareils circulatoires, respiratoires, digestifs et locomoteurs. Donc je vous rappelle que sur le schéma, nous avons un certain nombre d'éléments, d'organes. Nous avons les poumons qui se trouvent ici, où vont se créer les échanges gazeux. Nous avons le cœur, qui est l'organe principal de l'appareil circulatoire, qui va permettre de faire la circulation du sang pour amener les nutriments et l'oxygène dans les différents tissus. L'appareil digestif qui se trouve ici avec le tube digestif, et on va le détailler un petit peu plus tard pour voir ce qui se passe exactement à cet endroit-là. Et l'appareil locomoteur qui se trouve au niveau des muscles, qui joue un rôle important également dans les échanges. Nous parlerons du rein et notamment de son organisation en termes de filtration principalement. Donc si on prend le schéma en démarrant par le haut, nous avons les poumons. Passe, passe, passe. Non, ça dit qu'elle se fait passe. Viens-toi, tu dois avoir faim. Ta journée s'est bien passée? J'ai eu ton professeur principal aujourd'hui au téléphone. Qu'est-ce qui se passe, Simon? C'est bientôt la fin du trimestre et tes notes sont mauvaises. Ça ne te ressemble pas. Tu ne portes pas ta montre? Je vais oublier au vestiaire après le sport, excuse-moi. Simon, je te l'ai dit plusieurs fois de ne pas la porter à l'école. Tu sais à quel point il y tenait. Fais-y attention. Quoi pour moi aujourd'hui? Rien, fiche-moi la paix. Ah ouais? Vas-y, casse-toi, bouge. Regarde. Ça va?
suffit maintenant. Viens avec moi, il faut parler. Bonjour Simon. Bonjour madame. Allez-y, rentrez. C'est à gauche. Je me fais du souci pour la suite. Ne vous inquiétez pas, madame. Tout va bien se passer. Maintenant, avec Simon, vous n'êtes plus tout seul. Simon, on est là pour t'écouter. Tu y vas tranquillement avec tes mots. Ça te va? Oui. Teddy, 14 ans, est auteur d'un racket. Cette infraction, qualifiée délit d'extorsion par le Code pénal, article 312.1, prévoit une peine maximale de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. En l'espèce, Teddy n'a pas d'antécédent judiciaire. Vu sa personnalité et les circonstances de la commission de l'infraction, le procureur de la République chargé des mineurs a décidé d'une mesure alternative aux poursuites, article 41.1 du Code de procédure pénale. Ce magistrat a prononcé à l'encontre de Teddy une mesure de réparation pénale à exécuter sous la forme d'un stage au sein d'une association caritative. T'aurais pas l'heure, s'il te plaît. Le harcèlement, le racket, sont des violences inacceptables. La loi protège les victimes et punit les auteurs. Alors, parce que j'ai droit au respect, parce que je ne peux pas rester indifférent, je choisis de ne pas me taire.